Bonjour tout le monde. Alors, c'est un peu le bazar. Voilà, donc je voulais faire un petit album par rapport au papier de Graffiti Girl parce que je vous avais dit que ce papier noir et blanc me plaisait beaucoup et j'avais eu des feuilles 30-30 aussi dans le même style mais un peu plus avec du gris, quoique là aussi ça peut grisonner. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai préparé. Ça va être quelque chose de simple hein, que vous avez certainement déjà vu, mais je vais vous montrer sur quoi ça va tourner et je vous montrerai ce que je fais au fur et à mesure, sachant que hein, ce sera un album très simple. Donc forcément il sera noir et blanc. Voilà, et donc vous avez trois collections qui fonctionnent très bien chez Graffiti Girl. La collection Négatif et vous avez la collection Mise au point qui fonctionne très bien aussi. Donc les étiquettes de Pent'Attitude aussi. J'ai des étiquettes aussi de ça. Vous avez aussi des étiquettes thème photo, comme ça, planche, hein, que je vous montre sur Graffiti Girl. Donc j'ai sorti ça. Alors quand je sors, c'est pas forcément que je vais utiliser tout. Hein. Ça, sorti de Making Tape. Alors, est-ce que je vais mettre la lumière? On verra mieux. Donc là, c'est marqué photo, c'est super bien. Et celui-là, il est noir et blanc. J'ai sorti ça. Donc les papiers, vous les avez vus. Je vous les avais déjà montrés dans un haul. Hein, tout noir et blanc à base aussi d'appareils photo, j'aime bien. J'ai sorti les dyes qui m'intéressent, hein, qui vont être très bien aussi pour mettre dans l'album. Voilà. Je vous montre un peu plus lentement. Excusez-moi, juste un peu plus vite. Voilà, ceux-là. Et puis, en pochoir, j'ai mis de côté toujours mon pixel. Ça, c'est celui-là avec le school, avec les chiffres. Celui-là, c'est Gironde. Et celui-là, abstract. J'ai peut-être pas tout utilisé. Hein. Et en planche de tampon, j'ai mis la planche grille, hein, qui est pour moi une incontournable. Alors, celle-là, parce que des fois, je voudrais mettre ça. Je verrai bien. Hein, ça, l'alphabet, les chiffres, qui vont très bien. Et puis... un peu de fond, mais pas trop trash, vous voyez, pas trop art journal, vraiment classique, un peu plus raisonnable. Donc, ce que je vais faire, je pense, comme ma page fait 30-30, hein, ça c'est une page très épaisse de papier 30-30, je vais partager en deux, parce que je peux pas faire plus 15-15, et je vais faire des L, album que j'ai déjà fait avec une... je vais pas mettre de cartonnette pour une fois. Album que je vais renforcer sur la tranche en collant deux tranches ensemble pour que ça fasse un U. Et puis après le reste ça va être très facile, je vous montrerai. Et puis après ce sera un jeu de pochoir avec de la distress, des découpes, du papier. Voilà, j'avais envie d'un petit peu faire ça. Pour moi ça sera, voilà, je vais mettre des emplacements photos. Je vais mettre d'emplacement photo avec ce noir-là que j'ai retrouvé à poids dans mes affaires. Voilà, ce sera plutôt un jeu de mettre des embellissements, de l'utiliser. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira. Ça, c'est sûr, vous l'aurez déjà vu. Hein. Quand je vous dis, c'est très dur d'inventer des choses quand bien même des petites nouvelles qui nous les proposent et qui nous proposent de jolies choses. Mais voilà, je voulais quelque chose de simple, pas trop grand non plus. Et puis, où on peut mettre pas forcément des photos 10-15, mais si je fais un 15 par 12, on peut mettre facilement des photos de 7,5 par 7,5 par 10, hein, les photos. Ouais. Toujours un, ouais, 7,5 par 10, voilà. Ben, je vous montre ça. Et je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit papier parce que je ne demande pas les mesures, j'ai fait ça pendant des années. C'est sûr que vous l'avez déjà fait cet album, je l'ai déjà fait le tuto il y a 3-4 ans, même 4-5 ans je dirais même. Mais je vous montre quand même. Donc j'ai fait deux papiers, donc comme ça. Donc j'ai mes petites mesures ici. Donc ce papier mesure 14,5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, 14,5. Donc 14,5 où je fais un pli à 12 et à 2,5 après. Donc, enfin, je coupe. Donc je me répète, là je fais 12, je plie, 2,5, je coupe pour faire mes 14,5 et faire mon L comme ceci. La hauteur, j'ai fait 15 cm, tout simplement. Donc, 15 cm, la moitié d'une page 30-30. Donc la hauteur 15, ici 14,5, un pli à 12 et je coupe à 2,5. Et j'en fais deux comme ça. Voilà, j'en fais deux comme ça. Et ça, c'est ma couverture. Elle va être renforcée, hein, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc déjà, la tranche est renforcée. Voilà. Donc c'est un petit album, hein. C'est pas un album que... bah, pas trop compliqué tout simplement. Donc voilà, donc la tranche est renforcée puisqu'on va les coller l'un sur l'autre comme ça et comme ceci. Ensuite, alors on va mettre les lumières là pour pas que ça reflète pour vous, voilà. Donc ensuite je fais 4 morceaux, donc 4 papiers, c'est les quatre papiers qui vont être à l'intérieur. Je vais vous montrer, si je mets pas ça, ça va pas, je vais faire ça comme ça, vous voyez pas. Voilà, donc 4 papiers intérieurs, donc mon papier ici, hop, il faut 3 morceaux de 23,5 sur 14,5, hein, puisque l'intérieur doit être moins haut que la couverture parce qu'on peut avoir des dépassements, vous savez, quand on fait des albums. Vous voyez, ça revient vite, hein, un album. Mais là, c'est vraiment facile. Alors, je vous répète, la totalité donc fait 23,5 sur 14,5. Donc là, on fait un pli à 11,5. Un autre pli à 12 parce que ma tranche ici fait 0,5 et on coupe à 23,5. Donc je me répète, ici premier pli à 12, deuxième pli à 12,5 et ensuite on recompte si vous voulez 11,5, ça fait qu'on arrive à 23,5 et on le fait 4 fois comme ceci, vous voyez. Donc je vous mets pas les mesures, hein. Si vous avez des questions vous me dites. Et puis donc quand ma tranche sera collée comme ça, ici je vais venir coller un papier intérieur, de toute façon je vous montrerai, hein, comme ceci, quand tout sera assemblé, ce qui va venir rigidifier en plus la couverture. Donc c'est du papier 250-300, donc ça va venir bien solidifier, je ne mets pas de carton aide. Voilà, ce qui permettra d'avoir 3 côtés qui restent sur chaque couverture. Et je vais faire pareil ici, vous voyez. Donc, ça sera collé comme ceci. Je vais vous montrer. Et au milieu, je collerai mes 2 feuillets restants. Voilà. Comme ça, ça me fait un album avec 4 feuillets, dont 2 faces qui ne seront pas disponibles puisqu'elles renforceront la couverture. Voilà. Je vais coller et je vous montre. Je pense que je vais garnir avant. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je garnis avant, je colle ? Bah, je vais voir et puis je vous montre. Je vous montre quand même le collage. Donc je colle toujours avec de la tacky-glue. Oh, qui veut s'échapper. Voilà. Donc très facile, hein, mais pour vous montrer quand même. Donc j'ai collé mes 2, vous voyez, mes 2 parties de tranches l'une dans l'autre, ce qui solidifie quand même. Ça peut être un album trop lourd quand même, hein. Et vous avez à l'intérieur, je vous avais dit, je prends 2 feuillets que je colle contre la couverture intérieure pour la solidifier. Voilà, donc je les ai collés ceux-là, comme ça je peux les travailler directement, comme ça si je ne les colle pas, je serai capable de décorer les 4 parties alors qu'il faut en décorer que 3, puisqu'il y en a une qui est collée contre la couverture intérieure de gauche et de droite. J'ai fait la même chose de l'autre côté et je vais décorer aussi avant de tout coller les 2 feuillets là et qui seront à coller au milieu, sachant qu'il faut laisser une place, comme vous voyez, pour les 2 feuillets qui sont sur les couvertures intérieures. Voilà, vous voyez, c'est très simple, je l'ai déjà fait en tuto, puisque plus d'une fois, je pense même, de différentes façons. Hein, vous avez, puis je pense que maintenant, beaucoup de monde l'utilise. Hein, donc, et ça vous fait un album très facile, très simple. Et puis, voilà, donc et ça, je viendrai les coller au milieu. Vous voyez, ici, je vais vous l'ouvrir pour bien vous le remontrer. Donc, ici au milieu. Voilà, comme ça quand je vais fermer, j'aurai un album où je pourrai mettre quand même facilement 1, 2, 3, 6 et 8, 14 photos, une quinzaine de photos quoi. Voilà, donc c'était un bon petit album. Donc je vais le décorer et puis je vous montre, je ne sais pas si je vous le montre avant de coller 2 feuilles là ou complètement terminé. Voilà. Voilà, je viens vous montrer donc l'album terminé, c'est un tout petit album, hein, vous voyez. Donc, je l'ai faite avec les collections que je vous ai proposées au départ. Je me suis aussi utilisée de ces feuilles là avec les phrases de mise au point. J'en ai coupé quelques-unes, comme vous voyez. Ces papiers que j'ai utilisés, j'ai bien aimé aussi, ainsi que ceux-là. Parce que quadrillage, ça me fait penser à un tampon de la marque de Graffiti Girl, comme leur papier, ça va très très bien. Donc, je vais vous montrer comment je vais finaliser en utilisant que des produits de chez Graffiti Girl, que leurs tampons, leurs pochoirs, comme je vous ai montré au départ. Donc, vous voyez, j'ai fortifié donc ma tranche que vous voyez ici. Vous voyez là, alors, je vais mettre un petit peu plus de lumière, comme ça vous verrez bien. Vous avez donc sur le côté... attendez, hop, sur le côté. Donc mes deux feuillets que j'ai collés directement sur ma couverture, et j'ai mis mes deux au milieu hein, pour qu'ils soient bien. Quand je rentre par rapport à quand je replie ma couverture, pardon, que ça soit bien mis, voilà, et que voilà, ici on voit bien aussi, voilà, qu'il y a l'espace pour mettre des photos et pour pouvoir le remplir aussi. Donc il fait combien au total ce mini? C'est un mini qui fait on va dire 15. Sur 12, 15 sur 12. Voilà, donc la couverture dans le fond, j'ai fait du pochoir, du tampon. J'ai utilisé la couleur Ice Plus de Distress. Quelques petites taches avec le tampon que j'adore de chez Carabelle, ce tampon-là. Je pense que, je vous l'ai dit, je ne pourrais plus m'empêcher cette planche-là. Grille, je vous en parle tout le temps avec ces chiffres, ces quadrillages. J'utilise tout, tout est bien. Vous verrez, j'ai tout utilisé. Là, c'est les découpes que je vous ai montrées, Graffiti Girl. Ça, c'est de la page que j'ai découpée de mise au point. Un petit badge. Alors, donc, ici, vous avez donc une partie qui est collée sur la couverture intérieure. Et ici, j'ai collé un papier, hein, soit pour mettre une photo. Alors, ces angles-là, en découpe, sont très, très jolis. Je les ai fait en blanc et en noir. Donc, vous voyez, j'ai travaillé le fond à chaque fois avec du pochoir, avec des tampons. J'ai même travaillé un petit peu avec du making tape. Vous me connaissez, moi, j'en ai pas beaucoup. Et ici, les mots. Et là, j'ai laissé pardon, un emplacement pour la photo. J'ai maté avec les papiers ou avec du papier noir, comme je vous avais montré. Donc, je vais vous montrer de plus près. Donc, ben, je pense que ça, c'est, vous connaissez, hein, c'est pas très dur comme album. Hein. Après, quand vous avez une mise en page, vous suivez la même tout au long avec un pochoir, du tamponnage, un peu de making tape, une étiquette, un fond et un petit mot. Et puis après, pour rappeler le papier ici. Pareil pour à chaque fois. J'ai fait des pochoirs. Ben, à chaque fois, j'ai gardé mes mêmes petits points que j'aime ici très, très bien. Vous voyez qu'ils sont juste ici. Voilà. Donc là, c'est le premier feuillet de l'intérieur. Voilà, je vous montre hein, et je vous laisse regarder. Voilà, ici, j'ai remis les découpes. Et ici, je trouve que sur blanc et noir, je voulais faire un album blanc et noir. Mais je voulais pas faire le noir en fond. Je voulais faire une couleur. Donc, j'ai pris un gris bleuté. Un gris qui va très bien aussi puisque vous avez un peu de gris hein, aussi dans les papiers. Pardon, voilà. Non, on n'est pas arrivé là au cristal. On est arrivé là, voilà. Hop, hop. On est arrivé là, pardon. Voilà, donc là, j'ai fait aussi encore les étoiles. Ça, c'est des découpes. Ça, c'est un die en forme de trombone. Là, j'ai mis cette teinte. Je trouve que voilà, j'aime bien aussi avec le quadrillage qui fait école. Le pochoir chiffre. Là, c'est un pochoir aussi avec... Là, je voulais partir sur le thème de rond. Vous voyez, j'essaye de tout faire coïncider. Voilà, donc là j'espère que vous l'aurez peut-être vu sur Instagram ou avant peut-être sur le site ou les réseaux sociaux de Graffiti Girl. En tout cas, moi en ce qui me concerne, je vous remets ici mon Instagram. Donc c'est Eternity.pour.toujours. Je montre toujours en avant mes créations comme je vous le dis. Donc c'est pour ça que je vous remets à chaque fois mon adresse. Donc là c'était sur les étoiles. Ici, un fond avec des petits carrés pixels comme ça, j'aime bien aussi. Le mur, voilà, j'ai pris vraiment de tout. Ça, j'aime bien, c'est les chiffres. Donc, j'ai le pochoir et j'ai le tampon et j'ai mis comme un négatif. Et une étiquette et photo improbable. Voilà, puis mes petites tâches. Alors ça, je l'ai utilisé parce que, voilà, je suis tombée amoureuse. Il y a une personne de la DT qui s'en sert tout le temps. Elle la met dans chacune de ses créations. Je trouve ça très bien. C'est une très bonne idée. Ça m'est pensé à un signe d'Indochine. Bon, il n'est pas encore tout à fait pareil, mais voilà, je l'ai mis là. Et je l'ai mis là. Je le mets un peu partout aussi. Voilà, et ça, c'est le dernier feuillet contre. Donc ici, et puis ici, j'ai remis ça. Voilà. Donc, vous voyez, très simple, hein, noir et blanc, un peu en passant par le gris. Hein, rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Des fois, c'est un peu gris, comme on dit. Voilà, donc, voilà. Non seulement la tranche, j'ai mis quand même les deux l'un dans l'autre et je renforce quand même avec un bout de papier. Moi, j'aime bien que ça soit... Et puis, au moins aussi, j'ai pas mis de cartonnette, mais au moins, la couverture, elle tient bien aussi. Il faut qu'un album, elle tient bien la route quand même. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas. Donc, c'est un petit album tout simple. Hein. Je pense que ça, je veux dire, ça se fait facilement. Moi, j'ai mis une journée entière pour le faire. structure tout, une journée entière. Voilà, une journée pour le faire. Je vous le présente le lendemain parce que au soir, si je vous présente cet album, je suis un peu comme ça ma tête, donc je préfère vous présenter le lendemain quand je suis fraîche, comme on dit. Voilà. Ben, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.